grâce à mon partenaire MMORogue. Et ouais, je m'étais trompé la première fois. Et alors, achète moins cher avec sécurité des crédits FIFA et utilise le code RMDK pour obtenir 6% de réduction. Tout est dans la description, féro. Alors, let's go. Salam le monde, ça qui est pas possible. J'espère que vous allez bien. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'équipe. Après ma Ligue 1 à 50 000 crédits, après ma Bundesliga. Non, attends, oula. Après ma première ligue à 100 000 crédits, voici les gars ma Bundesliga à 200 000 crédits. Donc voilà, on commence avec cette équipe. Donc les gars, dans les buts, Yann Sommer. En défense centrale, Sokratis avec Vogt. Pitchek, latéral droit. Latéral gauche, Wendel, le brésilien. Devant la défense, Joshua Guilavogui. Avec Tolisso et Goretzka. Franchement, Goretzka, un tueur, les gars. Je l'ai eu pour 155 000. Donc voilà, ça vient un peu de lui, hein, cette. Voilà, ce prix de ouf. En ailier droit, Belarabi, franchement très très bon élément. Et j'aime bien avoir en fait un joueur de couloir qui est sur son pied fort, entre guillemets. Genre voilà, il joue à droite et il est droitier. Voilà, moi j'aime bien qu'il, par équipe, j'ai au moins un joueur qui joue sur son pied. Bon, t'as compris le délire. À gauche, Bruma, très très bon Bruma, franchement très très bon, de bonnes stats. Et en pointe, donc les gars, Werner, qui est pour moi le meilleur BU. Du championnat de la Bundesliga. Je pense qu'il doit avoir Lewandowski et Aubameyang qui sont au-dessus, mais après en pas trop cher. Il y a Werner, donc voilà, Werner que j'ai eu pour 8100 et je l'avais acheté rapidement, donc franchement pour moins de 8000 vous pouvez l'avoir les gars. Donc voilà les gars, pour 200 000 crédits, un peu moins de 200 000 je pense, même maintenant vous pouvez faire cette équipe. Bon voilà, c'est on va pas se mentir, c'est Goretzka hein, qui a fait que c'est énorme. Il y a du Goretzka, Sokratis aussi quand même qui est dans les 20 000, je l'avais eu à un très bon prix. Et après le reste, voilà, vous l'avez pour rien du tout, voilà, pour rien. Donc voilà les gars, on va pas perdre de temps, on va partir tout de suite en saison en ligne. Donc voilà les gars, je suis en division 6, donc pour l'instant je suis à 3 victoires et 1 défaite. Donc là, si je fais au moins match nul, je serai maintenu. Je vais essayer de monter petit à petit pour pouvoir faire une série dans pas longtemps, à partir peut-être de la division 3, division 2. Je verrai déjà pour commencer une série, parce que je vous cache pas que les séries ça me manque. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé mes séries, surtout avec les thèmes où je disais, voilà, par exemple le Maroc au pouvoir, tout ça. Bon là, je vais pas mettre au pouvoir dans le nom de la série. Je vais essayer de varier, je vais essayer de trouver un autre délire pour changer. Et aussi les gars, je vais lancer bientôt les nouvelles vidéos sur les défis pas possibles. Donc comme je faisais l'année dernière, donc voilà, j'avais fait l'année dernière des défis. Donc voilà, n'hésitez pas dans cette vidéo à me dire en commentaire les défis que vous voulez que je fasse. Voilà, il y aura bientôt une vidéo avec un défi, bon, que j'ai déjà fait l'année dernière, mais je vais le faire pour lancer entre guillemets la série. Et après, sur cette vidéo, vous pourrez mettre en commentaire ce que vous voulez comme défi. Une bonne première ligue. Eh ouais, une bonne première ligue, hein. Vardy, Willian, Coutinho. Bon, Coutinho c'est un peu moins rapide, mais Willian et Vardy ça galope. Ozil un peu lent. Le milieu de terrain est très très lent quand on regarde. Mais après, derrière, il y a Alderweireld avec l'autre con là. C'est Vertonghen, ouais. Bref, ça va être pas mal comme match. Les gars, je vous cache pas que je suis fatigué, je cherche pas des excuses du loin de là. Mais je vais avoir moins d'énergie que d'habitude. Bref, let's go. On respire, tranquille. Donc les gars aussi, je vous ai pas dit, hein, mais j'ai changé de dispositif, enfin par rapport au 4-4-2 là, que avec quoi je joue souvent ces derniers temps. Je suis repassé au 4-3-3, Werner, il a une vitesse de ouf. Mais ouais, son problème, c'est la finition. Oh, bien joué, bien joué. Belarabi, Belarabi. Oh putain, l'action ratée, mais qu'est-ce qu'il fout déjà Belarabi à gauche? Eh ouais, c'est pour ça que je préfère Belarabi à droite. Ta frappe croisée pied gauche, c'était pas facile, je voulais feinter au début, mais c'était mort. Allez, allez, Werner, pourquoi pas. Une nouvelle percée, on va pas faire de fin, on va tenter. Bon là c'était, franchement c'était pratiquement mission impossible pour marquer. Oh oui, oh putain merde. Oh le con, je croyais que j'avais fait un bête de tacle avec Vogt. Bon finalement, bon ça sera un jaune, bon en fait non, j'avais complètement raté le tacle. Allez, Belarabi, une petite percée avec Belarabi. Oh ben il continue le Belarabi, je le trouve super. On va aller jusqu'où avec lui? Oh frère. Mais voilà, mais il fait une percée de ouf là. Et on dirait qu'il peut rien lui arriver. Et on continue, en plus on la perd pas. Tac, bim, changement de joueur, tac. Non, c'est trop long ça. Allez, Belarabi. Oh, Belarabi, bien joué. Eh, Belarabi, je le kiffe. Belarabi, je le kiffe. Belarabi, on va finir l'action. Oh, putain, la parade de Petrosic. C'est dommage, mais là, pour l'instant, les gars, on domine de ouf. Alors, il y a aussi des gens qui vont se demander, wesh, pourquoi il a le logo d'Amien et les maillots d'Amien. Donc, les gars, il y a le tournoi Ligue 1 là, qui va bientôt débuter. Alors, normalement, la compétition, donc je sais pas, alors en même temps, je demande pour vous. Je vous demande si la compétition a vraiment débuté ou pas. Je sais pas parce qu'il y a un bug un peu sur le site internet. J'ai l'impression normalement là ça a déjà commencé. Alors on sait pas. Ouf. Who let the dogs out? Ouf.
Xbox One là avec enfin dans le groupe Amiens SC si on peut dire ça. Normalement là on aurait dû commencer mais voilà, il n'y a aucun match de dispo. Alors est-ce que c'est à cause du nombre d'inscrits qu'il n'y a pas assez d'inscrits? Voilà le but, oh. Et voilà, on parle d'avenir avec le cœur et il y a le but qui vient, oh. Et voilà Bernier, ouais, franchement on a vraiment galéré pour marquer. Non, regardez ce but. Un but mais flingué de ouf. Bref, donc voilà 1-0, Timo Werner, 37ème minute, là voilà, juste avant la mi-temps, c'est parfait. Bref, pour en revenir au sujet, oui, ouais, donc je sais pas, là en ce moment, normalement, il y a la compète qui aurait dû commencer, mais malheureusement, je sais pas, il y a un bug, je sais pas si parce qu'il n'y a pas assez d'inscrits, ou je ne sais quoi, mais bref, voilà, donc c'est pour ça que du coup, bah, on est obligé en fait de porter les couleurs, quoi, enfin les maillots, quoi, tout simplement, de l'équipe, hein, quoi. Sur lequel on est, quoi, enfin le groupe, quoi, tout simplement, quoi. Mais bref, si tu connais déjà le tournoi Ligue 1, c'est bon, qu'est-ce que je te raconte, moi? Au pire, si tu connais pas, tu vas sur le site et tu vois par toi-même. Voilà, c'est la mi-temps, les gars, pour l'instant, on mène 1-0, c'est logique. Mais franchement, c'est tendu, putain, quand même, quoique, il y a des bonnes stats. Mais franchement, non, honnêtement, là, dans le match, je me sens vraiment supérieur à lui et j'ai raté pas mal de face-à-face. Bref, c'est parti pour la deuxième mi-temps, les gars, on va continuer comme ça, tranquille. Il n'y a aucune raison pour laquelle je devrais perdre. Allez, encore du bel arrêt sur le côté droit. On sait jamais où le centre, ça aurait pu être dangereux. Allez, Bruma. Oh, Bruma. Oh, la prise de vitesse, l'enveloppée. Oh là là, mais c'est un truc de ouf. Allez, Koreska, montre pourquoi t'es cher, frère. Attends, on va attendre un peu. Tac, ok, bon, je vous montrerai plus tard. Voilà, tac, voilà, Goretzka, encore plus tard. Oula, non, c'est bon, les points, la parade. Et c'est mer, et la parade derrière, j'ai eu chaud, sa mère. Oh là, et là, par contre, les gars, ça commence à être tendu pour ma gueule. Hein. Pourquoi pas une contre-attaque? Pourquoi pas? Bellarabi, il a la vitesse pour, hein. Est-ce qu'il a la finition? Oui, il a la finition! Voilà, 2-0, belle contre-attaque, magnifique. Voilà, mené tranquillement, voilà, belle passe de Bruma pour Bellarabi. Moi, je vous dis, Bellarabi, c'est une perle rare. Hein. Franchement, là, tout le monde s'excitait pour avoir les Ariane Robben, tout ça. Franchement, Bellarabi, j'ai vu sa carte, j'ai dit, mais frère, viens dans l'équipe quand tu veux. Je l'ai acheté pour 850, frère, mais voilà. Allez, pourquoi pas encore une contre-attaque? Pourquoi pas encore? Non, ça serait énorme. Ah là, il n'y a que Bruma là par contre, ça. Ah, quoique, je t'ai vu frérot là-bas. Je t'ai vu, Bellarabi encore. Je t'ai vu et tu m'as fini en action. Oh, bon, pas de la meilleure manière, mais c'est pas grave, c'est bien quand même. Allez, Bellarabi. Et en fait, quand je dépasse une certaine heure, ça y est, moi j'ai pété les plombs, frère. Bruma, on va carrément votre défenseur central. Mais qu'est-ce qu'il foutait devant ce con? Bellarabi, 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 Bellarabi. Allez, oh Tolisso, même Tolisso il va se régaler. Mais c'est un truc de ouf! Eh, je fais intérieur pied droit à fond, Petre Sech, il arrête tout, quoi, depuis tout à l'heure. Eh, les gars, je vous conseille Petre Sech en première ligue, moi. Ah, c'est fini, putain, j'avais même pas vu le temps depuis tout à l'heure. Bon, bah voilà, victoire, les gars, tranquillement, victoire, du coup, 3-1, même le score, je m'en rappelle plus, frère. Moi, j'ai dit victoire 3-1, je suis un ouf, c'est 2-0. Donc, bref, les gars, si vous avez kiffé cette Bundesliga à peu près 200 000 crédits, voilà, pour moins de 200 000 sur Xbox One, tu peux la faire. Sur Play, c'est à peu près les mêmes prix, j'ai regardé. Non, je rigole, j'ai pas regardé, tu me démerdes. Donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus comme d'habitude. Si tu viens tout juste de me découvrir, c'est Hakim pas possible. Donc n'hésite pas à t'abonner, frère. En attendant, prenez soin de vous. Je vous aime, restez fidèles. Et je vous fais la pouce.